Chez Régine Café, qu'on avait déjà testé il y a 3 ans quand on était venu, on y est allé 2 fois, on avait surkiffé. Du coup, on s'est dit qu'on allait retenter la petite sœur qui vient d'ouvrir chez Régine Café. Et puis voilà, c'est notre dernier jour aujourd'hui à Montréal. Oui, on sent ça. Et pour cette journée, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une journée un petit peu particulière puisqu'on fait non seulement Jeanne Café, donc on va se déglinguer du vide, et en plus ce soir on finit notre dernière soirée, on la passe avec Céline, qui est une bonne amie à nous, qui fait un concert, je ne sais pas si elle est connue en France, c'est Dion, sinon. Je ne suis pas sûre. Elle a une voix assez sympathique, elle a fait la BO d'un film qui s'appelle Titanic, je crois, enfin un truc sur un bateau qui coule. Je l'ai pas vu perso, mais apparemment il est pas mal. Et donc voilà, on va la voir, on va voir ce qu'a fait, pousse la chansonnette au Centre Bell. Elle nous a proposé de venir, on s'est dit bon, c'est notre dernière soirée, peut-être qu'on va pas, enfin on a peut-être envie de profiter un peu plus, et puis bon, finalement. Ouais, voilà. Je crois qu'elle fait la première partie de quelqu'un, mais enfin on y va comme ça, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois qu'on entend pousser sa petite voix. Donc voilà, on y va sans a priori, rien d'autre. Mais en tout cas, d'abord on bouffe, et ça c'est important. Allez, ça y est, on va commencer. Toi, t'as pris quoi ? J'ai pris un sucré salé. Un sucré salé. De la crème d'érable, je crois, du sucre, du crumble, de c'est la quoi, brioche le truc à côté, maison. Là ? Des fruits. Ça. Ça. Des feuilles. Non, mais le truc derrière. Ça. Ah, c'est la crème de sucre. Ah, c'est la crème de sucre. Et moi, je suis parti sur le truc gros jambon. Voilà. Toi, ça doit être 17. Moi, ça doit être 18$. Hein. Et ça a l'air très, très bon. Bon, du coup, j'avais une petite faim après mon plat, là. Il fait 1 mètre de haut. Il est énorme. Mais il a l'air vraiment pas mal. C'est un gâteau au chocolat avec des petites noisettes, je ne sais guère. Bref. C'est des amandes, je crois, non ? Il y a 15 étages. Il a vraiment pas mal. Tu vas m'aider à le finir ? De quoi ? Tu vas m'aider à le finir ? Mais j'ai plus faim, je sais pas comment on va faire. Bon, c'est pas grave, je vais vomir. Bon, truc improbable. On a retrouvé les propriétaires de l'auberge Capocorbeau de Baie-Saint-Paul. Un truc improbable. On était sur notre carte plein métro et on tombe sur eux. Ouais, c'est ouf. La vie. Donc là, on va au marché Artwater parce que le concert Artwater. Parce que le concert est dans 4 heures. Donc. On aura encore un petit peu de temps à perdre. Oh, Spielberg. Voilà, on arrive au marché Hard Water, man. Petit frère. Bon, du coup, on n'a pas assumé tout à l'heure le gâteau. Il n'y a pas de mal. On n'a pas assumé du coup tout à l'heure le gâteau. Il en reste une bonne petite part. Du coup, on s'est dit tout ce qu'on a enfilé depuis 2 mois. Je pense que ça nécessite pas. C'est pas nécessaire qu'on le finisse. Donc, on va essayer de trouver un. Qu'on le finisse. D'accord. Donc, du coup, on va essayer de trouver une personne SDF dehors. Malheureusement, il y en a quand même pas mal. On va essayer d'en trouver pour ne pas avoir trop de mal.
pour lui donner ce merveilleux chocolat. Je pense qu'il sera content, la personne qui va recevoir ça. Du coup, très sympa ce petit marché. C'est beaucoup, contrairement attends. À... Non, attends, tu peux refaire ce que j'ai fait. D'accord, donc elle veut bousiller ma vidéo. C'est pas grave. On trouve ça mieux que le marché Jean Talon. Voilà, on fait les guides aujourd'hui, hein. Les guides touristiques. C'est mieux que Jean Talon. Parce qu'il n'y a pas de talon d'Achille. Ouais, ça marche. Et du coup... Du coup, ouais, il y a beaucoup de stands de bouffe. Et puis voilà quoi. Tout simplement, c'est très sympa. Ça vaut le détour. C'est cocasse. C'est cocasse. C'est cocasse. On va aller du côté du Centre Bell maintenant. Et vu qu'il y a le réseau. Célia, alors. Elle me fatigue. Et il y a le réseau, donc le réseau souterrain. Moi, j'en ai déjà du réseau. Bon, allez, j'arrête. Célia avait faim, donc du coup on va chez Uniburger manger des burgers. Non, mais on vient de manger, mais comme Jaja, il va remanger, mais il est fou ce mec. En fait, Uniburger, pourquoi j'insiste pour aller là-bas, c'est parce que il y a quelques temps, c'était élu le meilleur burger de Montréal, donc il fallait absolument qu'on teste avant de partir. On ne la voit pas. Alors, pressé de rentrer. Bon, pour être honnête, rentrer à la maison. Oui. Pour être honnête, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être dans un espace-temps qui n'existe pas. Parce que je suis trop heureuse de rentrer à la maison. Je suis contente de rentrer à la maison. En même temps, je suis triste de quitter ici. C'est pas normal. Genre, j'ai envie de quoi? Les deux. Ça marche. Donc voilà, moi je suis parti sur un cheeseburger double cheeseburger. Et c'est un petit peu le même concept que chez Five Guys. En gros, on choisit ce qu'on veut mettre dedans. Bon, moi il y avait le fromage. J'ai mis des cornichons, de la tomate et de la laitue, de la salade. Il est pas mal, hein, déjà. Tes impressions? En vrai, il est beau. Pardon. Ouais. Mais franchement, il est pas mal. Hein. Je crois qu'il est pas mal. Cette fois-ci, vraiment direction le Centre Bell. On a payé les places les moins chères du truc, du coup on est sur le toit en fait. Avec un peu de chance, on va voir le spectacle. On va voir, on croise les doigts. Ah ouais, faut pas avoir le vertige. Hein. Belle est un édifice non fumeur. Il est strictement interdit.
laser, de photographier ou de filmer l'événement. Evenco vous remercie de votre collaboration et vous souhaite de passer d'agréables moments parmi nous. Evenco welcomes you to the person.
Il faut que tu saches qu'il aille chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent les airs, viens chercher ton cœur. Personne qui m'avait dit ouais Céline elle a plus de voix, elle est finie et tout. En vrai je veux bien être finie comme elle. Hein. Elle a une voix de dingue. Et on avait un petit peu hésité à prendre les billets parce qu'ils étaient quand même pas donnés. Et franchement on regrette pas du tout parce qu'elle est vraiment à voir au moins une fois dans sa vie. Le show était vraiment exceptionnel. C'était vraiment foufou. Donc il n'y avait rien de mieux pour. Finir non seulement cette journée et puis ce beau voyage au Canada. Sur ce, on se retrouve en France. Ciao ciao.